Gbagbo et Ouattara, Ph. Laurent Gbagbo a accordé un entretien aux médias français L'Humanité à paraître ce vendredi 5 novembre 2021. Les larges extraits de cette interview en notre possession, l'ancien président ivoirien, revient sur la création du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, le bilan de son successeur, l'écho, le procès de Sankara et du bombardement de Bouaké, et la menace djihadiste. Ci-dessous nous vous proposons de larges extraits de l'entretien de Laurent Gbagbo. Création du PPACI, à l'époque, la Côte d'Ivoire était dans un système de parti unique et il fallait lutter contre cela. C'était notre objectif principal. Aujourd'hui, cette phase de la lutte est dépassée même si nous ne pouvons pas dire que nous vivons encore en démocratie. Ce qui est en jeu maintenant, c'est la lutte pour les pays africains, pour leur coopération et leur véritable indépendance. Ce nouveau parti, nous l'avons effectivement tourné résolument vers le panafricanisme, car nos États africains sont trop petits les uns par rapport aux autres et par rapport à leurs partenaires extérieurs. Il faut réussir l'union des États africains pour que nous puissions mener ensemble des combats. Nous ne pesons pas assez face aux États-Unis ou à la Chine. Individuellement, nous ne pouvons mobiliser que des petites ressources. Je ne veux pas donner d'exemple pour ne froisser personne, mais vous voyez bien que certains pays sont si minuscules. Quand j'étais chef d'État, lors d'une visite officielle en Chine, au-delà du protocole, à l'intérieur de moi-même, je ressentais bien la différence de puissance entre nos deux pays. Nous représentions deux États, certes, mais évidemment pas de la même dimension. En Afrique, les pays dont on parle, ceux qui parviennent à émerger, ce sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Angola, etc. Nous sommes une succession d'états minuscules, et donc nous pouvons peu de choses pour nos propres populations, et dans le concert des nations, nous ne sommes presque rien. C'est vrai que des gens comme Kwame Krum, président du Ghana renversé en 1966 note de la rédaction, l'a tenté avant nous, ou Nasser avec le panarabisme. Un rêve, il faut d'abord le dire et le formuler. Ensuite, il faut se battre et lutter. Vous dites que d'autres l'ont formulé avant moi, c'est vrai, mais voyez comment ils ont fini tous ou presque ont été renversés brutalement, qu'il s'agisse de Kroum ou de Modibo Keita, président du Mali renversé en 1968, note de la rédaction. Certaines puissances combattent farouchement cette ambition panafricaine. Mais nous devons résister et poursuivre le combat, ne jamais baisser les bras. Bilan de Ouattara, 2011 à 2021, je ne peux pas encore juger le bilan de mon successeur. Je viens d'arriver et ma priorité était de créer mon nouveau parti. Maintenant, je vais commencer à mettre mon nez dans les dossiers. Mais l'une de mes principales sources d'inquiétude, c'est l'immense endettement extérieur. C'est un des points sur lequel n'importe quel pouvoir à venir devra se pencher avec sérieux. Nous sommes également confrontés à une très importante poussée démographique qui est particulièrement visible à Abidjan, la capitale. La menace terrorisme, pour y faire face, nous devons mobiliser tous les États d'Afrique de l'Ouest, et de ne la résolution de ce problème uniquement entre les mains du G5 Sahel. Si le Mali et le Burkina Faso sont menacés, cela signifie que le Ghana, la Guinée, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal le sont également. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir ce qui existe, nous sommes tous dans le même espace et ces djihadistes ont déjà frappé plusieurs fois ici. En 2002, nous savions qu'il y avait des non-ivoiriens dans la rébellion, et nous savions également que des États voisins prêtaient leurs soldats à cette rébellion. À la CPI même, j'ai pu échanger avec des éléments fondamentalistes qui m'ont parlé de leur implication en Côte d'Ivoire. L'avènement de la nouvelle monnaie éco, j'étais en prison lorsque ce problème a été abordé. Je souhaite qu'on ait l'éco en Afrique de l'Ouest, mais à condition qu'il s'agisse vraiment d'une monnaie africaine et non une copie du franc CFA. Dans les anciennes colonies africaines, nous sommes les seuls à qui la France, en partant, a laissé derrière elle une monnaie. Les Britanniques n'ont pas créé une copie de la livre sterling, les Portugais non plus. C'est le combat contre la colonisation qui continue à travers ce projet de nouvelle monnaie qui doit concerner tous les pays de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils soient anglophones, lusophones, francophones. Procès de Thomas Sankara, l'implication de la Côte d'Ivoire et le cas Blaise Compaoré, j'ai rencontré Thomas Sankara une seule fois, en 1984, dans un hôtel à Paris. Il était venu pour une réunion et j'y vivais alors en exil. Tout le monde parle de la complicité de la Côte d'Ivoire, mais j'attends que la justice burkinabé fasse son travail et établisse les faits afin que nous sortions enfin des hypothèses. Concernant Blaise Compaoré, il a également joué un rôle important dans la formation et la mise en route de la rébellion qui a déstabilisé mon pays, mais c'est une autre histoire. Procès du bombardement de Bouaké en 2004, ce procès a été très utile pour que les Français se rendent compte de ce que leur État fait souvent dans ses ex-colonies. La juge d'instruction Sabine Kérise, en charge du dossier, comme maître Jean Balland, avocat des familles des victimes sont venus m'interroger à la haie j'ai eu le plaisir de discuter avec ces gens qui avaient compris que le gouvernement français avait joué un très mauvais rôle dans cette histoire. La justice a au moins permis d'ouvrir les yeux sur les acteurs de l'ombre, sur le fait qu'on ait arrêté les pilotes responsables de ce bombardement et que la France ait obstinément refusé de leur demander des comptes, avant qu'ils ne soient relâchés dans la nature. J'ai dit tout ce que je savais sur cette histoire. C'est à ceux qui protégeaient la rébellion qu'il faut poser des questions.